La troupe de Seb, c'est comme ça. Ça va, Emeline? Ouais. T'as pas du feu? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Nous allons apprendre comment draguer une fille. Sachez rester jeune. Tu cherches quoi? Toi! T'as pas compté jusqu'à 10! Nous avons vu dans un précédent tuto qu'il était préférable de rester toujours franc. N'en soyez pas trop direct pour autant. Qu'est-ce que les mecs feraient sans nous? Moi, je pense qu'ils se branleraient. Logique. Ouais, c'est pas faux. Demeurez compréhensif et indulgent. Vous faudra de la patience. Ma dernière relation, elle était vraiment très dure. Bah ouais, je comprends. Comme ma bite! Du coup, j'ai besoin de temps. Ouais, c'est sûr. Si t'as besoin de temps, je veux bien t'aider. Voilà! Alors, t'as une touche? Oh non, mais. Waouh! T'es célib? Ouais, carrément. Oh, sors avec moi, s'il te plaît. Mais t'avais dit que t'avais besoin de temps! Ça fait une demi-heure, c'est passé, quoi! Ayez une belle âme, soyez généreux. N'empêche, si tu le fais avec moi, ce sera ma première fois. Bon, ok, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Et je le fais par charité, pas par plaisir. D'accord. Tu me rejoins? Ouais, je te rejoins. J'arrive. Enfin, je voulais dire, première fois avec elle. Restez toujours positif. Tu te muscles comment? En faisant l'amour. Ça fait les abdos. Tu veux voir? Ouais, pourquoi pas. Allez. Non, je déconne. Merde. Respectez-la. Salut. Salut. Ouais, ça va? Merde, je trouve pas. De quoi? En fait, je cherche ton point G. C'est pas dans le porte-monnaie que ça se trouve. Mais t'es pas une pute, toi? Soyez sentimentaux. T'es grand! Ouais, c'est vrai. Et tout est grand chez moi. J'ai lu que le plus grand garçon était souvent le plus gentil. C'est vrai, connasse. Bon, apparemment, t'es l'exception qui confirme la règle. Alors, ça a marché? Bah non, je crois, elle avait ses règles. Moi, j'aime bien. T'aimes bien la bolo? J'adore ça, mec. Je peux avoir du rab? Attendez, attendez! Soyez perspicace. Cherche un mec qui soit doux, compréhensif, attentionné. Et qui m'aime pour ce que je suis aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Excellent! Je la connaissais pas, celle-là. Moi, j'en connais une, alors. C'est trois putes sur un cheval. Ne soyez pas trop tactile, sachez garder vos distances. Tu fais quoi, là? T'avais une bête. T'étais obligé de faire ça? T'avais une bête aussi. Ne ratez pas une occasion. Excuse-moi, t'as pas un truc à rouler? Je peux te rouler une pelle, si tu veux. Non, je préfère une pelle. Comment tu fais, toi, pour séduire une meuf? Comme ça. Et ça marche? Tu fais quoi ce soir? Ne vous conduisez pas comme un goujat. Restez classe. Mais c'est pas possible, tu fais exprès, là. Tu cherches tout le temps l'embrouille. Ouais, mais bon, on m'a dit qu'après, il y avait la réconciliation sur l'oreiller. C'est pour ça que je la cherche aussi souvent. Putain, mais t'as rien compris. Vas-y, dégage. Tu me saoules. Enfin, je suis pressé, là. J'ai rendez-vous à la nuit. Professionnel? Non, sentimental. Quoi, tu les enchaînes? Bah ouais, j'ai 8 rendez-vous aujourd'hui. Tu fais passer des entretiens ou quoi? Non, mais jusqu'à présent, le locataire il se détache du lot. Et bah, je crois que la numéro 7 va se détacher du con. Au revoir. Ok, c'est notre sens de l'humour, 0. Mais ne soyez pas trop crédule. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir avec toi? Déjà, tu pourrais enlever ta main. Pardon. Arrêter de m'appeler tous les jours. D'accord. Arrêter de me suivre au Monoprix parce que c'est un peu creepy. Et puis, okay. Habiter à 4000 km, ce serait bien. Et ça serait bon? Ouais, grave. Ah, je te jure, génial, le pied. Ok, je reviens. Salut. Putain. Veuillez toujours une réponse appropriée. J'ai un peu froid. Tiens, couvre-toi. On rentre à la maison te réchauffer. Ah, merci, t'es comme mon père. Je me suis fait d'adzone. J'ai rien vu venir. Soyez malin. C'est faire la cuisine? Ouais. Le ménage? Tu cherches une copine ou une femme de ménage? La nôtre est tombée malade. Oh, connard. La salope. Je suis pas le genre de mec à te proposer directement lequel. Ah bah ça va, tu me rassures. Ouais, moi je te demande avant si t'es vaginalement motoculable. T'es
dégueulasse, putain. C'est une demande parmi tant d'autres. Oh, putain, quel con. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ne vous approchez pas trop près. Salut, je peux m'asseoir? Il y a de la place partout ailleurs. Je sais, mais j'ai mis mes critères à la baisse. J'ai dit quoi encore? Attention, elle risque de vous en faire baver. Laura, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te plaire? Je sais pas. Présente-moi ton pote le plus mignon. Attends. Mais donc, j'ai mes chances? Seb! Ouais, gars. T'as 2 minutes? Bah, je tourne avec Benoît, j'ai une semaine complète là si tu veux. Tu sais que je suis en train de gagner le championnat de sur la perche. Ah ouais, je te savais pas aussi sportif. Bah, depuis ton départ, disons que j'ai pris mon élan pour pouvoir te sauter dessus. Ah. Mais vu que ça fait 2 mois que je cours, disons que je risque d'atterrir à côté. Oui, en fait, il y a moyen. Ah. Donc voilà. Si ça te dérange pas, en fait, j'ai un rendez-vous avec un pote là, donc je vais devoir y aller. Non, vas-y, c'est... Ah, ok, ben salut. Soyez profond et spirituel. Mais sinon, je veux bien qu'elle. Enfin, souvenez-vous que l'amour n'est pas un jeu télé. Je vais y réfléchir. Et c'est perdu. Aïe, 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 aïe. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. C'est une caméra cachée? Mais non, elle est là, la caméra, oui. Eh bien, vous n'avez pas réussi à séduire Caroline, vous perdez le césure au Satan relais du silence. Et moi, je perds mon temps. Bonjour, alors c'est Laurent Ruquier. Poussez-vous un peu. Nadine Morano est une grande connaisseuse. Claire Sanel s'est fait violer sur TF1, alors c'est un peu con. Hein. Si vous suivez tous ces conseils, vous serez le roi de la drague. Pour plus de chance, abonne-toi à la troupe de Seb et toutes les filles tomberont dans vos bras.